superbe clap. Bonjour. Donc on va faire un how to faki. Qu'est-ce que c'est un faki? Bah c'est rouler en marche arrière avec un vélo. Du coup, on est avec Antoine. Comment tu t'appelles Antoine? Antoine, c'est parce que je n'ai pas de cerveau. C'est parce qu'il a pas de cerveau, on est tous les deux pareils. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que t'es mon copain. Oui. Comme vous pouvez le voir, je me suis fabriqué un micro avec un pegs, parce que c'est trop la classe, un pegs. Donc voilà, c'est mon micro pegs. Oh, quel humour! On va voir comment faire le faki. Ce qu'il faut que vous sachiez pour faire un faki, c'est que quand vous allez pédaler en marche arrière avec le vélo, le pédalier va pédaler en marche arrière. En gros, là, ça tourne en marche arrière, forcément. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est suivre les pédales avec ses pieds. Voilà, on peut considérer que c'est une figure. Avec ça, première place au fizz. On va voir comment faire un faki dans un plan incliné. La première fois que vous faites un faki, l'avantage c'est que vous pouvez le faire dans une rue en descente, dans un parc en descente. Première chose, ça va être d'apprendre à rouler en marche arrière. Est-ce que tu peux me refaire une marche arrière, Antoine? Donc, là il le fait en foot jam. Et vous voyez qu'en fait, il suit le pédalier tout doucement, sans forcément aller trop vite ou pas assez vite. Parce que si tu vas pas assez vite, ça va bloquer. Et si tu vas trop vite, ça va faire ça. Fais-moi un faki trop vite. Raymond Poulidor en direct sur le parc. À 180 tours par minute, truc de malade pour faire bosser le cardio. Et du coup, après avoir roulé en marche, quoi qu'on l'a appris dans la descente, on peut l'essayer sur un plan incliné comme ceci. Donc il va faire pareil que dans la descente tout à l'heure. Il va rouler en marche arrière. Et une fois qu'il sent qu'il peut se retourner, il va donner un mouvement de guidon. En fait, vous allez arriver en marche arrière. Le guidon, vous allez le mettre comme ça. Comme ça, le vélo va tourner, comme je fais moi. Et une fois que vous êtes là, vous allez lever la roue, tourner votre regard et aller mettre la roue là où vous voulez atterrir. Donc du coup, une fois qu'il sent qu'il va se retourner, vous voyez, il tourne son guidon, comme je vous ai dit, et il lève un peu et il tourne dans l'autre sens, en bloquant les pédales. Une fois qu'on a fait ça, on peut l'essayer dans une courbe. Attention, je vous montre une courbe. Oh, la belle courbe! Est-ce que tu peux faire un faki sur cette belle courbe? Bon là, il a fait toutes les techniques en même temps. Le bunny up, le faki et le recab. Une fois qu'on l'a appris dans une petite courbe, on peut la prendre en rampe et c'est encore plus simple. Parce qu'en rampe, vous avez juste à rouler en marche arrière et remonter dans la courbe en face pour repartir en marche avant. Les choses importantes à savoir quand vous faites un faki en tant que débutant, c'est que au début, vous allez avoir peur et vous allez vous dire qu'il faut que vous alliez pas vite en marche arrière. Mais en fait, c'est une erreur. Parce qu'en marche avant, si vous roulez pas vite, vous aurez pas beaucoup d'équilibre sur votre vélo. En marche arrière, c'est pareil. Donc vaut mieux, si vous l'essayez dans une grande courbe, essayez de monter assez haut dans la courbe, comme ça vous aurez la vitesse et vous pourrez gérer mieux votre faki. Maintenant que Antoine nous a montré comment faire un faki, on va direct passer à un stade au-dessus, il va essayer faki whip. Est-ce que tu peux faire un test, Antoine? Il l'a mis du premier coup. C'est vraiment pas une blague. Bon bah, du coup je vais monter sur la rampe. Et du coup ça te fait quoi d'avoir replaqué faki whip du premier coup alors que t'as galéré 50 fois à Gweno l'autre jour? Bah je m'y attendais pas du tout. C'est bien, c'est la puissance de la caméra. Vous voyez, il a appris à faire faki là-bas et direct il fait un faki whip. Je pense que vous pouvez le faire aussi. Je pense que la rampe aide beaucoup parce qu'elle est vachement bien quand même. C'est vrai que la rampe est pas mal aussi. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et si vous voulez voir Antoine Denis tout nu, n'hésitez pas à demander dans les commentaires aussi. Il vous montrera ses tétons. Bah non. Quand même, il faut bien faire des vues. Après, je vais t'embêter avec la police. La police? Mais elle viendra pas, parce que t'as la police. Voilà. Au revoir. Bon, là, j'ai entendu.